Donc la construction est partie de plusieurs morceaux récupérés comme ça dans un carton de matériel pour la chimie, d'un bout de feuille noire, de scotch. On a utilisé des ciseaux et un bout de fil de cuivre électrique. La demoiselle propose une structure avec trois objets comme ça récupérés qui ont été scotchés ensemble d'abord avec une bande noire pour essayer de le maintenir, et comme il semblait que l'œuf pourrait tomber, une plaque noire a été rajoutée. Le tout a été fixé par du scotch. Ici, il y a un bout de scotch en plus pour maintenir davantage l'œuf. L'œuf doit être mis penché dans la structure. Il avait été ajouté un anneau pour le tenir. En réalité, on le tiendra à la main, ça marchera aussi bien. Une des trois choses pour la structure a été percée afin de le dégonfler un peu pour que l'œuf rentre mieux. Et le fil de cuivre entouré de plastique a été mis directement dans l'un des trois objets comme ça. On va maintenant le faire tomber de 2,50 m de haut. 3, 2, 1. On a mis du carton au sol si l'œuf se casse. L'œuf est intact et on peut le ressortir.